Bonjour la famille, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog parce que aujourd'hui je sors avec messieurs tout seul. On va aller au Elle nous cinéma. abandonne! Elle nous laisse seuls ici! Non, je les Sans abandonne pas. personne! Attention, je les abandonne pas. C'est parce que Hanifa, elle est là. Elle est en train de dormir. Hanifa! Farwati avec 10 ans aussi. Farwati, elle pourra les surveiller. Il y a Hanifa à la maison. J'ai tout fait. C'est pas vrai. Je les abandonne pas. Vous savez que Farwati, elle, la dernière fois, vous étiez partie. Elle a fait des pâtes. On a failli mourir 5 fois. Non, mais c'est pâtes, je sais pas. C'était des pâtes au beurre, mais beurre. Hanifa, elle va faire. Hanifa, tu vas faire à manger pour eux. Ouais. Oui, Hanifa, elle est là avec eux. Donc elle ne veut plus jamais à manger. Elle va faire à manger, elle va s'occuper des enfants. Moi, je vais sortir aujourd'hui avec Carlos, juste entre nous, mais je vais vous amener avec moi. Mais avant de partir, je voulais vous montrer en fait l'état de notre salon parce qu'on a gonflé les bouées. On a les matelas gonflables. Là, on a le, on a le dauphin, le gros dauphin pour la piscine. À côté, on a quoi encore, Addison? À côté, on a une tombe. Oui, on a ça. Comment ça s'appelle celle-là? C'est pour s'asseoir, hein? C'est un matelas aussi. Matelas. Ouais, c'est un matelas. Il y a un porte-gobelet. Oui, donc on peut se détendre tranquille. Et ici, nous avons la chose des choses. Le donut au fond. Voilà, on a le donut. Et on a gonflé encore quelque chose d'autre ou c'est tout? Non, mais on a utilisé bien sûr cette si belle pompe pour gonfler. Qui est tellement dur à lever et descendre que carrément j'ai pas eu peur de mon âme. Donc voilà, alors on a plusieurs bouées qu'on n'a pas gonflées parce qu'on en a pas mal. Et ils sont derrière le canapé. Les garçons, ils ont fini la piscine. Maintenant, il reste juste à le remplir de l'eau. Et les enfants, ils vont pouvoir descendre dans la piscine et pouvoir jouer et tout, et s'amuser et tout. Donc c'est super bien, on est super contents de la piscine. Mohamed, il va s'occuper de la piscine pour le remplir. On a installé le tuyau qui est juste là. Les enfants, ils ont mis le tuyau. Ils vont commencer à remplir la piscine. Je pense qu'on va pouvoir utiliser la piscine dans quelques jours. En fait, à partir de demain, on va pouvoir utiliser la piscine. D'ailleurs, sur mon Instagram, vous pouvez me donner toutes sortes de défis, bien sûr, pour la piscine. Oui. Ils ne sont pas improbables, par exemple. Manger sous l'eau, ça va être dur, mais bon. En plus, on m'avait donné un défi, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Oui. Mais il m'a dit, saute dans l'eau avec tes habits. Et je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée tout ça. Tu vas pouvoir sauter dans l'eau avec tes habits? On fera ça à une autre vidéo parce que je pense que là, mes habits, là, ils sont en train de pleurer déjà. De toute façon, avec le dauphin, on va faire pas mal de choses. Là, on a le taureau qu'on va gonfler. Je pense qu'on va le gonfler demain. Oui, oui. Ouais, c'est là parce qu'il est vraiment lourd et il est vraiment très très grand, donc on va faire pas mal de choses avec. On a galéré pour la tombe déjà. Donc voilà, et eh bien moi je vais vous laisser, je pars au ciné avec mon petit bébé. Enfin, mon autre petit bébé. Moi. Comment tu dis ça? Oui. On a un petit problème depuis tout à l'heure parce qu'en fait on a notre séance de ciné qui commence à quelle heure? 21h30. Oui, et on aimerait bien aller manger, mais le problème c'est que il faut choisir. Soit on mange et on va pas pouvoir voir le film, soit on va regarder le film et on mangera pas. Donc je suis en train de hésiter, je sais pas quoi faire. Monsieur, lui, il veut. Ouais, ça nous fait au moins peut-être quelques petits grammes de... Oui, monsieur, il veut qu'on aille regarder le film et moi, je veux qu'on aille manger en fait. On a assez de graisse pour consommer. Hein. On voulait aller regarder Mission Impossible. Oui. De Tom Cruise. Alors. Si vous savez ce qu'il est en train de me faire faire là, je suis en train de monter dans des escaliers à Bastille. À Bastille, Opéra. Ah, mais regarde ce qu'il y a devant nous. Ça tombe bien voilà. Parce que je cherchais ça. Tu as oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure? Non, j'ai oublié. Tu as oublié? Non, j'ai oublié. Ah, c'est du zouk. Il y a du zouk là, Opéra. Regardez. Enfin. Tout le monde danse. Regardez les gens qui
danse. On n'était pas venu pour danser. Mais les gens, ils viennent. On va dire qu'il y a des gens qui passent vraiment qui dansent, mais là, on a une séance à 20h30, on n'a pas encore décidé. On ne va pas rester pour venir danser du jeu. Alors. Moi, j'aurais bien aimé, mais lui, il ne veut pas. Donc, il y a des gens qui je vois là, qui dansent 3-10 ans d'être pas rentré du zouk, mais ça, c'est pas du zouk. Les pas qu'ils font, c'est pas du tout du zouk. Et tout, voilà, bon. C'est. Bref, on va dire que lui, pour lui, le zouk, c'est pas ce qu'il a vu. Ouais, on n'a pas vu du zouk, c'est vrai. Mais bon, bref, on va aller voir pour notre séance. Ouais. Et après, on ira. La séance est juste là. On ira. Ah mince, le ciné, il est juste à côté de nous. Ah ben bien sûr. Quoi, quoi, j'allais prendre après quelque chose pour aller marcher des kilomètres. Et vous avez vu, j'ai mis des talons, mais je suis obligée quand même de plonger la caméra comme ça pour filmer. Moi aussi, j'ai des talons. Moi aussi, j'ai mis des talons. Ouais, tu as mis des talons, lol. Il n'a pas mis de talons. Il est comme ça. Il y a le monsieur qui nous regarde et qui ne comprend rien du tout. C'est là où on doit venir pour regarder le film. Sauf que moi j'ai faim, j'aimerais bien aller manger. On décide en fait d'aller au restaurant et après on revient. Oui, après on revient après pour le cinéma. Les gens ils sont en train de manger, c'est super. C'est que le souci, madame, elle a un resto spécial qu'elle a l'habitude, qu'elle connaît. Apparemment qui fait de bons trucs. Elle veut aller voir. Moi, je vais regarder le menu. Dès que je regarde le menu, déjà, je sais déjà si c'est bon. J'ai pu rentrer manger. Voilà, moi, je fonctionne un peu comme ça. Mais bon, comme madame, elle connaît directement un petit coin. Sympa, peut-être. On va aller voir à quelle heure il ferme. S'il y a possibilité après le resto, après la séance du ciné, si on peut y aller manger. Tranquille. Pas un McDo, hein. Bon, on se dit à tout à l'heure. Alors, on vous explique. Le resto était fermé. Sauf que monsieur qui utilise le GPS, il ne s'est pas rendu compte que le resto est fermé. Ah ben, ce n'est pas moi qui l'ai fermé quand même. Du coup, on a marché pour rien. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de rattraper la séance de 21h30 pour aller regarder le film. Et après, on mangera après. Donc, voilà. Je suis désolé, hein. Ouais, je sais. Le ciné de madame a été fermé, on ne sait pas depuis quand. Ouais. Mais il y a une autre personne qui peut-être qui a pris faute de commerce, on ne sait pas. Oui. Mais il y a une autre histoire à la place. Alors tout de suite, j'ai dit bon quand même on va manger, hein, parce que c'était l'objectif, on va manger. Voilà la famille, on a fini le film. On a fini en fait regarder. Ouais. On avait acheté. Alors, comment tu as trouvé le film? Bon, je pensais qu'il allait avoir plus de trucs comme ça, mais bon, c'est normal, c'est Mission Impossible, il garde toujours le même rythme, toujours le même système sur l'intérieur, 007 à la mécanique. 007 c'est anglais, mais ça c'est 007 à la mécanique. Voilà. Du coup, est-ce que tu as aimé ou non? Bonne soirée. Ah, c'est ici? Ah. Ouais. Non, on passe la chaîne. Ah. Après le ciné, on s'est arrêté dans un petit resto juste à côté et on va commander des moules. En fait, moi j'ai envie de manger des moules ou même pas. Je pense pas que je vais prendre les moules, je pense plutôt que je vais prendre autre chose. Donc tu disais tout à l'heure par rapport au film. Par rapport au film. Oui, 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 parce que Mission Impossible, ça reste toujours dans le même registre qui est le premier épisode. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais vu, c'est la première fois que je regardais. Voilà. Et qui veut dire que c'est le film, mais ça tourne la série. Ça fait très très longtemps que on n'est pas sorti au resto depuis que Carlos il est de retour à la maison. Et donc aujourd'hui on s'est dit bon, on va essayer de faire un peu se faire plaisir et puis partager ça avec vous parce que je sais que vous nous soutenez beaucoup et ça nous fait plaisir. C'est pour cela on vous amène avec nous pour cette soirée. Voilà mon plat. J'espère que je vais arriver à le manger parce qu'il y a énormément là. Mais ça a l'air délicieux. Je vais le goûter avec vous en même temps et je vais vous donner mon avis en direct. Alors.
Alors, ils m'ont dit que c'est pour une personne, mais j'ai des doutes parce que il est vraiment énorme. Alors. Bon, je dirais c'est sans plus. Malgré que vous pouvez le voir, il est super bon. Mais c'est sans plus. Bon, je vais continuer de manger. Et puis on se dit à tout à l'heure. De retour à la maison, il est tard. Les enfants sont tous en train de dormir. Et je pense que la piscine est en train de se remplir tout seul. D'ailleurs, on va aller voir ça. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne Sakina Family. Bye bye.